Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino, il s'agit de la découverte de Pavillon. Pavillon, en fait, il n'y a qu'un seul L. Jeu qui m'a été offert par Jim Lao, merci beaucoup à toi. Il me semble que c'est un jeu de réflexion. Les graphismes m'avaient vraiment tapé dans l'œil. Qui ont l'air vraiment très très fins. Peut-être dessinés à la main même, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne tout de suite. Je vais jouer à la souris, merci. La musique est sympa d'ailleurs. C'est à moi. Ou pas. Ah, c'est à moi. Ok, d'accord. Difficile à dire si l'intro est finie ou pas. Ok, j'imagine que oui. Ok. Donc c'est quoi en fait, faut le guider. Hein. Donc là, je peux scroll partout. Et je peux cliquer sur des choses. J'ai l'impression que ça le guide à des endroits, c'est bizarre. Franchement j'adore les... Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup les graphismes et les animations. La façon dont les animations sont faites. Ça me fait penser à... Ça me fait penser à Flashback. Alors que ça n'a rien à voir. Hein. Ok, donc là où on allume, en fait, il va. Un sanatorium en speedy. Sanitorium, non, sanitorium c'est un point and click, j'ai une clé. Et du coup il va ouvrir la porte tout seul, comme un grand. Flashback, t'es trop vieux. D'ailleurs, non, la comparaison a du sens. Ouais, c'est les animations, ça fait rotoscopie en fait. Flashback, j'ai l'intention de le faire d'ailleurs, Zero Angeles sur Switch, et j'ai l'intention de le faire. Je me fais à chaque fois violence pour pas y jouer par moi-même. Et alors que je l'ai sur Switch, j'ai déjà fini quand j'étais des gamins. Je sais pas si j'ai fini en fait. J'ai pas fini. C'est pas un point and click. Ben oui et non. Disons que on pointe et on clique, mais. Ok. Peut-être qu'il faut se rendre là alors du coup. Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire revenir. On peut pas le diriger directement en fait. C'est ça qui est étrange. Est-ce que je suis bloqué là? Ok. C'est quoi le jeu? C'est Pavillon. Pavillion. With one L. Ok, je prends la clé. Je l'ai pas déjà fait ça. Apparemment pas. Il se réchauffe. On peut zoomer, on peut pas zoomer, dézoomer. Ah d'accord, c'est une lumière à la fois. Ah, il a peur quand il y a du noir, ok. Ah. Ouais c'est ça, il fallait aller dans la tour, Zwin. J'avais pas vu là, au début, là, on pouvait cliquer au-dessus. Ah, la comparaison avec Sanitorium à cause de la 3D isométrique. Ouais.
Le gars a l'air pressé, j'ai peur pour lui, il stresse, on dirait le. Genre, dis Voladman, cherche la clé directement à côté de la. Madman. Cherche la clé directement à côté de la porte. Ouais, bah ouais, ouais, tant qu'à faire. Comment est-ce que je le fais aller à la cloche. La cloche. Il faut qu'il aille là. Ah d'accord, ok, je comprends le truc. Donc là la porte est fermée, il va pas y arriver. J'éteins ça. J'éteins ça. Il va crever là. Il veut pas avancer, ok. On fait ça. Donc on ferme. Sanitarium. Oui, sanitarium. Merde, non, du coup, il fait pas là non plus. Ok. Faut que j'éteigne les deux pour qu'il aille au milieu. Mais pourquoi il va là? Il va à gauche de base. Comment je le fais aller là? Ah! J'ouvre celui-là, comme ça il va faire un zigzag. C'est ça. Donc là ça ouvre la porte. Il est là et il va pouvoir passer, ok. Est-ce que t'as déjà fait la Indiana Jones la dernière croisade? Ouais. Ouais, je l'ai déjà fait, Alex, c'est sur la chaîne YouTube si tu veux voir. J'avais fait une fois quand j'étais gamin et on l'a refait il y a un an, un truc comme ça. Ok, je fais une clé. I got a key. On va mettre sur la lampe, ok. Mais encore. Ça indique là où il faut aller, c'est ça? Le jeu est peaceful. La zik est bien. Oh putain, faut que je scroll. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il va scroll pour moi. Il faut que je scroll moi-même. Ok, donc il faut qu'il appuie là-dessus. Non, faut appuyer sur les deux en fait. Si je fais ça, il va juste là. Ok, alors si je fais ça et ça, il monte à l'échelle, ok. Et il descend là. Ok. Fait pareil. Ah non, il peut pas aller là. Ok. Eh Jean. Merci. C'est sympa. C'est classe comme jeu. Je suis pas sûr de vouloir le continuer. Faut voir s'il rajoute des mécaniques en fait, surtout. Parce que si c'est que ça, avec différents labyrinthes, puzzles, ça peut être un peu relou à force. C'est spécial, ouais. C'est carrément spécial. Mais j'aime bien. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les graphismes. Toi t'aimes bien Zwin, cool. Bah après voilà, hein, on verra suivant le temps qu'on a et quand est-ce que je restream aussi quoi. Mais de toute façon encore une fois, hein, je vous l'ai dit déjà, tous les premiers jeux, enfin le en revenant du déménagement, de la pause forcée, ce sera le mois de l'horreur qui démarrera direct sur les chapeaux de roue. Ok. Faut appuyer là. Donc. Là, il va. Il va là. Comment je le fais aller là? T'aimes la musique, toi, Lemon Tin Kiss? Cool. Ah, parce que ça le fait aller au centre, ok. Donc, c'est ouvert. Ou bleu. Ou mordoré. Logique. Ok.
La musique est très zen, ouais. Voilà. Si je fais ça et puis ça, ouais, ça ouvre les deux portes d'un coup. Hein, et là j'imagine qu'il faut marcher sur les deux cercles là. Oh! Oh putain, et c'est chronométré! Je te fous de ma gueule! C'est un jeu pour Blacky, ouais. Ah, là. C'est pas zen du tout, mon cul. Mon cul, il est zen, ouais. Tiens, il y a quoi derrière là? Tous les coups, faut aller mettre. Oh là là. Oh là là. Nest Nest Master, thank you for the host. Welcome here. Non, je veux aller dans la maison. Comment je fais pour aller? Je peux pas y aller en fait. Je pense que je peux pas y aller en fait. Ok, donc. Comment tu rends un cul zen? C'est toujours zen un cul. Comment je fais pour aller là surtout? Ah putain. Qu'est-ce que je fasse aller là comme ça là? C'est bon? Yes! Ok. Woo! Never heard of this one, cool aesthetic. Yes, it's great. The ambience is great. The music is very relaxing. The gameplay is not though. Donc Nest Nest Master a dit qu'il a jamais entendu de parler de ce jeu là et qu'il trouve que l'esthétique du jeu est cool. Ok. Il faut que j'aille là. Mais. Oh là là, il faut aller. Ok. Et une fois qu'il arrive au milieu. Ça. Et puis vite vite. Clé, 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 clé. Merde. Ah, du coup on ouvre la grille. Et du coup c'est plus rapide. Pour pouvoir ok. So it's a puzzle game. If you're intrigued, it's just a puzzle game. Ouais, non, je le continuerai pas de toute façon. Enfin, là, on va le continuer jusqu'à Icar, comme j'ai dit. Un autre type de puzzle. Intéressant. Ouais, enfin. C'est pas très compliqué là en fait. J'imagine que ça va se compliquer. Il va peut-être falloir les faire dans l'ordre, ça, je sais pas. Ok. Où est-ce qu'elle est la plaque? Mon dieu, oh là là!
Oh, ouais. Elle devait être là. Ah, ça va être galère. Ah, ça va être très galère, là. Je peux pas dézoomer, donc... Donc celle-là, c'est celle-là. Alors, attendez, on va les numéroter. 1, 2, 3, 4. Donc... 1. Ah putain, on la voit pas la 3. 3. Ah putain, il y en a 5 en fait. Donc 3. Et 4. Tac. Tac. 2, 3, 4. Donc celle-là, on sait pas ce qu'elle fait. Il va où en faisant celle-là? Ah, d'accord. Et donc la 5, c'est pour aller... c'est pour la fin. Ok, donc j'imagine qu'il faut marcher sur les deux dalles. Là, on va faire... on va faire genre... attendez. Donc là, 1... Genre, je vais voir s'il va directement vers là. Ouais, 1, ok. Donc faut faire... Faut faire 1... Faire 1, 2, 3, 4, ok. 1, 2... Merde, je suis con. Je sais même pas si ça, si ça fonctionne en fait de marcher. Si je fais 1, 2, là faut que je fasse 1, 2, pardon, 1, 2. 1... Il le fait, ok. Ok. Et ensuite 3, 4. On va attendre que le chrono se vire. Ah non, il n'y a pas de chrono en fait. Ok. En fait, ensuite je fais 3, 4. Donc 3. 4. Voilà. Et puis enfin 5. Ok, cool. C'est bizarre, on dirait qu'elles veulent t'attraper. Oui, c'est vrai. Les mains au-dessus des cloches, ouais, c'est clair. C'est bizarre, ouais. Ok. Oh, d'accord. Merde. Ah ouais, carrément. D'accord, c'est la première fois qu'on mourt. Ah, il est blessé, merde. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, les fleurs quand on passe le pointeur dessus. C'est classe. Mais c'est bizarre, on sait même pas ce qu'il fout là, le mec, quoi. C'est super intriguant comme... truc là. Ok. Donc on peut se régénérer comme ça. And how you doing, Ness-Ness? Ness-Ness. Oh, masters, Ness-Ness-Ness. Ok. Téléporte. Ça me va. On va aller appuyer sur celui-là et puis après l'autre. Si on y arrive. Hein ? Mais elle est où la cloche ? Comment je fais pour l'appeler là ?
Oh le beau pavillon. Tu voulais plus de mécaniques, ils t'ont entendu. Ouais, bon, c'est juste un téléporte. Moi, je veux des mécaniques originales. Comment je fais pour sortir? Parce qu'il y a une cloche dehors. À force sortir comme ça? Non? Ah non? Comme ça, juste en fait. D'accord. Doing well, guy. Just translating some soundtracks. How about yourself? I'm okay. I'm okay. It's a bit sad to do the last stream of the... before moving, but... hey. Gotta draw a line somewhere. Que je peux pas aller là, si je fais ça. Yes. Nickel. C'est ouvert, fonce. Non, c'est pas mal. C'est pas mal comme jeu. C'est sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle mécanique. Mm-hmm. Oh, je peux attirer les... ok. Ouais, là, il m'a grave entendu, là. Cool. En fait, c'est à Bermuda Syndrome que ça me fait penser. Au niveau des graphismes. Pas un flashback. Pas au niveau du gameplay, évidemment. Mais... là. Est-ce que je peux déplacer l'écran? Non, ok. Il va se déplacer là. Ok. Ok, là, il aille là-bas. Hmm. Reloumi. On n'a pas de clé, donc... si je la tirais... je bouge ça, je peux bloquer l'échelle maintenant, on s'en fout. Une clé. C'est le même jeu qu'un monsieur en Bermuda, Bermuda Syndrome, non. C'est vrai que ce nom Bermuda pour les Français il est bizarre parce qu'en fait c'est les Bermudes en fait, Bermuda. Donc c'est le syndrome des Bermudes en fait, littéralement. Il faut que j'aille là. Il faut qu'il aille là. Mais ah ok, je vois. Faut que je le ramène. Faut que je bouge cet endroit là en fait. Tac. Non mais va là. Le tue pas. Ok. Non mais voilà. Comme ça, il peut pas aller là, il va aller se réchauffer là. Hop. En fait, il a froid, à partir du principe qu'il a froid, il va aller se réchauffer. Du coup, il peut ouvrir la porte. Voilà. Ok. Ensuite, des trucs chronométrés, je déteste. Oh, il y en a 4 en plus. Bordel. what? Il y en a un là, un là, un là et un là. Et ça va ouvrir quelle porte? Celle-là là. À moins que peut-être les deux en fait. Ah, il faut déjà ouvrir celle-là, je pense. Bon, attendez, on va tester. Il se passe quoi là? On va par là. Peut-être bloquer ça avant. Ok. Faut qu'il aille là. Mais comment on peut le faire aller là? Alors peut-être qu'avant il faut que je bloque. C'est ça. Il faut que je bloque. En fait voilà, faut faire le celui du bas d'abord. Putain mais bouche.
Voilà. Donc j'appelle. Il va là. Ah non, il veut pas là. Pourquoi il va pas là? Ou alors, si je bloque comme ça là. Ah ouais, il est obligé de passer par là. Ok, il va repasser là. De toute façon, après, il va les réactiver tous. En partant du principe que ces deux-là ouvrent celle-là, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, il va repasser là, c'est bon. Celui-là est plus long, en fait, à des pop. Il active celui-là. La porte s'ouvre, il fonce. Orley. Orley, une fois. Pardon pour les Belges. J'imite très mal. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé. C'est mon envie de frites, probablement. Ok, ensuite... le syndrome des Bermudas. Le gars fait une dépression dès qu'il voit un Bermuda. Oh non, un Bermuda. Oh non. Bon. Fais gaffe à l'heure. Encore 15 minutes. Hein. Donc... si je bloque le passage là, comme ça, là. Merde. T'es obligé de se faire les deux, mais il faut qu'il passe là. On va bloquer déjà le passage ici. C'est obligé de passer là. Ah, et non, et ce con, il revient. Là, comme ça, là. Voilà. Fonce maintenant! Fonce! Jean-Jacques! Fonce! Jean-Jacques a réussi. Ok, ça change un petit peu d'ambiance. J'aimerais bien bouger au clavier en fait. Est-ce que. Ouais, on peut plus choisir le pad maintenant. Merci! Et alors? On peut bouger ça, oh mon dieu, un bloc avec une échelle. Est-ce qu'on peut le bouger pendant qu'il est dessus? Ah. On ne sait pas. Est-ce que je peux ramener le bloc? Là-bas, probablement. Il faut aller chercher le truc dans la commode à tous les coups. Allez, monte. Ah. Je pensais qu'il y aurait une clé dedans, moi. Oh, what? En fait, tu diriges pas, lol. Le mec il suit les sons de cloche. Ouais. Alors à tous les coups le truc va apparaître quand on aura activé les deux côtés. Mais j'ai l'impression qu'il faut il faudrait probablement mettre ça pour faire poids dessus en fait. Comment est-ce qu'on pourrait le choper? Passer par là. Si je le fais avancer là et que je sonne la cloche là. Est-ce qu'il va passer? Yes. Donc du coup il va pousser ça. Et ça active le truc. Nickel. Donc ça va recréer tout ça. C'est une cuisine. J'avoue que les prémices du jeu là sont intrigants. What? Une cuisine, oui, mais une cuisine aménagée. Aménagée par qui? Aménagée par... Ah, ok. Ok.
Excusez-moi, mais what is the fuck? Je ne comprends plus. Pourquoi les livres montent? Ok, ils bougent là où on bouge les armoires. Ah non, qu'est-ce que j'ai quoi? Je sais même pas pourquoi. Ça comment? Ok, ça a fait monter les livres. Ça, ok, d'accord. Je sais pas. Fuck is the kitchen? Va faire avec un bon accent français. A plus lumière, c'est pour ça, je crois. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, ça se tient. Ça se tient archi. Ah. Non, je crois que c'est que. Ok. En fait, il est bien. Hein. C'est prenant et tout. Bon, moi non plus, j'arrive pas à faire voler les choses comme ça chez moi, lol Archie. Sérieux? Ah, oh, t'es nul. Oh, Archie! Archie! Ça fait un moment que je voulais te le dire. Si tu y joues pas déjà, si tu l'as pas déjà fait, j'ai pas regardé depuis un moment, mais il faut absolument que tu joues à Amid Evil. A-M-I-D, espace Evil, comme le mal, V-I-L. Je l'ai fait entièrement. En tout cas, en normal et pas le NG+, quoi. C'est un FPS qui n'est pas sans rappeler Hérétique ou Exen. Tu l'as peut-être vu en diff d'ailleurs, chez moi. Mais on a tous pensé que c'était pour toi en fait. Donc tu lui as déjà dit d'accord, ok, ça marche. Ah oui, Marc me l'a dit, il fait beau mon petit cœur de nostalgie claire. Il déboîte des steaks. Hein. Exactement, il déboîte des steaks. Est-ce que du coup je vais là? Ça va vers l'autre. Faut que tu joues à Midi Evil aussi. Je ne connais pas. Oh, on a les deux. Ah. Ok. On n'a plus qu'un. D'accord. Celui-là est cassé. Est-ce qu'on peut les accrocher? Ah voilà, comme ça. T'as tes Dusk qui paraît qu'il est bien aussi dans le plus nerveux de quoi. Dusk? Ça me dit rien, Dusk. Je connais Duskers. Rien à voir avec du FPS. J'ai aussi dit d'avoir jeté ton replay de vendredi matin pour les jeux en YOLO. Ah. Après, ouais, les jeux en YOLO, je les mettrai au compte-gouttes sur YouTube, je pense. Ah, mais non, monsieur. C'est pas là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Voilà, ça va être chaud. Oh putain.
Ah, on n'a pas le temps. Il nous faut une plateforme en plus, en fait. Je pense. Medieval, c'est un jeu PS5 qui a été remake comme Crash et Spyro. D'accord, ok. Ah, ok. Il faut le pousser avant, je pense. Pas facile à diriger, cette connerie. Ah. Est-ce que... Si je le mets là... Faut que tu bouges pendant qu'il est dessus. Ah ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ou alors tu penses qu'il faut le pousser. Ah oui, 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 mais non, carrément. C'est ça en fait. Mais. Voilà. Tac, du coup, on pourra passer là. Chuchu motherfucker. Chuchu motherfucker. Ça sonne pas très bien en fait. Si un peu. Ok. Pardon. Hein. What. Pardon ? Il y a une dame là. Une voie de garage. Bah, on dirait une voie de garage, mais il doit y avoir un... Il y a forcément un truc... Enfin, je veux dire... Je peux pas revenir de toute façon. On dit chouchou en anglais, ouais. Chouchou. Mais ça s'écrit C-H-O-O, C-H-O-O. The end. Non mais... Il y a des rails cachés. Ah. Il y a des... Oh là là. Il y a des faux rails. Il y a des rails cachés. Qu'est-ce que c'est bizarre. C'est... On les voit en fait. Mais c'est un chafouin le jeu là. Jeu chafouin. Bon, il va être l'heure de changer de jeu aussi. On va passer sur un jeu qui fout mal au crâne. Ouais, il y a les rails sous l'eau, ouais. On les voit, mais bon, fallait. C'est chafouin encore une fois. Ah non, c'est là. Oh là là. Vous voyez le truc là. Putain. C'est un peu abusé quand même. Mais bon, pourquoi pas. On a réussi donc. Hein, on passe plein. Ah, il est très bien fait, ouais. En fait, j'aime bien. En fait, j'aime bien. Ça ferait un jeu que j'ai envie de continuer en fait. J'ai pas envie de dire malheureusement parce que... C'est cool, mais je sais pas quand, hein, putain. Vous vous rendez compte qu'il y a encore des découvertes d'il y a
3 ans et demi où je me suis dit faut qu'on les fasse. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je peux pas passer là. Je peux pas passer là. Pourtant, il faut que je passe là. Ah non, je peux peut-être là, il y a peut-être un truc. Au début, j'ai cru que ce serait un peu redondant. On perd l'intérêt par la suite. Ouais, c'est ce que... j'avais peur de ça aussi, en fait. Effectivement, j'ai mis là-haut, mais non, non. Coucou Marie, bienvenue. Comment vas-tu? Peut-être qu'il faut que je le pousse un peu plus, en fait. Ah, oh là là. Yes. Peut-être que je vais en avoir besoin, en fait. De celui-là. C'est la classe, quand même. C'est la classe. Et là, cette ambiance submergée. Je sens que je me suis... ouais. Je me suis bloqué. J'ai craqué, je me suis pris à Medieval et Husk est paf à cause de vous. Husk ? Dusk ? À cause de vous, mais bon, ça faisait longtemps de toute façon. Ah non, mais enfin, crois-nous, Medieval, c'est pour toi. Hein. Franchement, il n'y a pas photo, quoi. Et d'ailleurs, si tu veux un peu de challenge, je te conseille de le faire... Je te conseillerais de le faire peut-être en difficile. Ah, est-ce qu'il faudrait pas... que j'en mette... Il faut qu'il y en ait un qui se retrouve là et un qui se retrouve là en fait. On va l'essayer. De quoi? Non, on parlait d'Archiboulet et de Medieval. Est-ce que... Quand est-ce que je peux en mettre un d'un côté et l'autre de l'autre? De toute façon, on n'aura pas le temps de réfléchir plus que ça. Merde! Le level me brûle les neurones là. Moi aussi, Zewin. C'est le premier qui me... Je fais... Hein? Il faudrait... Là, en fait, il faut qu'on ait... Il faut qu'on ait une plateforme d'un côté et l'autre de l'autre. Mais il faut forcément qu'elle soit accostée à cette partie-là, en fait. Mais comment... comment on peut y arriver? Sachant qu'il y a... Sachant qu'on peut pas se balader sans les plateformes en fait. C'est là où je capte pas. Et puis dégage la mouche putain, c'est mon café, oh. Mm. Sachant qu'on peut pas se balader sans. Tu peux pas te dire... Oh là là! Oh là là, Draker! Bon petit host! Tu peux pas te garer en face de celle que t'as laissée? Les deux ensemble, le problème c'est que... Je peux les prendre comme ça, mais dès que ça tourne, elles se séparent automatiquement en fait. Ah ou alors attendez. Maintenant, je peux les sortir en étant devant en fait. Est-ce que... Je vois pas si un... Oh, en fait. En fait, si on arrivait à les en mettre une ici, on peut aller là-bas après. Coucou Draker, bienvenue à tous ceux qui viennent de chez toi. Comment vas-tu? Es-tu là? Allô? Allô?
J'en sais rien, je suis largué. Ouais, c'est pas... Coucou Draka, comment ça va? Merci beaucoup pour le host, bienvenue. On pourrait faire ça... Tu arrives en plein pendant le 12h, le dernier stream avant mon déménagement. Et on est sur un jeu qui s'appelle Pavillon, qui est un jeu de réflexion. Il commence à nous chauffer les neurones un petit peu. Tu peux pas bouger une plateforme si t'es pas dessus? Si! Mais si, tu as raison. Oh là là, mais oui! Mais oui, je suis con! Non, ah non, non, on peut pas, non, non, on peut pas. Il faut qu'elle soit activée en fait. Donc les blocs on peut, mais les plateformes on peut pas en fait. Tu vois, je peux juste l'activer, la désactiver. Non, 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 on peut pas. J'y ai cru à un moment donné. C'est un jeu où il faut réfléchir, au secours. Exactement, au secours, il faut réfléchir. Bon courage par rapport à ce tour de déménagement. Merci beaucoup, Draka. Merci. Je vais en avoir besoin, effectivement. Ah mais en fait... Ah mais si, mais attendez, regardez, attendez, j'ai compris. J'ai compris. Si on les met tous les deux, là. Désactiver celui-là. J'ai désactivé celui-là. On peut mettre celui-là, là. Ouais, mais non, ça changera pas grand-chose. On peut aller sur l'autre. Oui! Du coup, on peut pousser celui-là, là-bas. Voilà! Tac. Du coup, on devrait être bon de l'autre côté. Chiboulette prépare une potion magique pour faire marcher les neurones. Bah, ça a marché. Ça a marché, Archie. GG. Coucou Fléo! Bienvenue! T'es fort. Non! J'ai ma logique qui fonctionne pour ce type de puzzle à part. T'inquiète pas, il y en a des puzzles où je serais bloqué là. Donc en fait, on aura juste à faire ça. Non mais va, non non mais non mais non mais non. Mais n'y va pas. N'y va... C'était pas la bonne fiole, mais si, c'était la bonne fiole. Putain, mais je veux pas aller là. Merci. Ok. T'es complètement largué. C'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir trouvé. Voilà. Maintenant, on revient dessus. C'est chiant de pas pouvoir diriger le gus. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Et je pense que ça aurait pas posé plus de problèmes que ça si... Enfin, ça aurait pas changé trop les choses pour ce type de puzzle-là. Ça aurait changé beaucoup pour le coup des cloches et tout, mais... Voilà, merci. Mais non, non, comme je le dis souvent, tout le monde a sa façon de réfléchir, sa logique. Et bah là, il s'avère que là, j'ai trouvé. Et encore, genre, il y a des gens qui auraient trouvé. Je pense que sur le chat, là, ils le disent pas, mais il y a des gens qui auraient trouvé comme ça, quoi. Ok, bon, on va s'arrêter ici pour ce jeu. Puis on va passer au suivant. Le truc de pas pouvoir le bouger, ça fait que c'est moins simple pour avoir une vue d'ensemble du puzzle, là, c'est clair. Oh, la musique est bien en plus. Ok. Voilà, Kaiji savait. Tu vois? Kaiji savait. Kaiji sait tout. Il sait tout le temps. Il avait la flemme d'expliquer. C'est pas ce fameux jeu genre tag de quatrième personne, un truc du genre, je sais plus. Non, je sais pas. Merci beaucoup, Aor24, pour le follow. Bienvenue chez les Kinous. Bienvenue. Mais d'où? J'ai pas rien, tu trouves toujours tout le temps, Kaiji. T'es très fort. Un tag de quatrième personne du genre, je sais plus. Je sais pas trop de quoi tu veux parler en fait, Archie. Donc je vais te dire non. Voilà. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Teltino avec la découverte de Pavillon. Est-ce qu'on le continuera? Peut-être. Je ne sais pas. À voir. Je réfléchirai. Suivant la durée du jeu. C'est un petit peu comme. I hate this game. C'est-à-dire que je déteste ce jeu en fait et que. Eh ben. S'il dure longtemps, je vais le détester longtemps. S'il dure pas longtemps, je le détesterai moins longtemps. Et donc c'est mieux. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine!